En net retrait, le 12. Ouais. Le 10, pardon, Kenzo Slas. Hein, ouais. Le 12 est à droite. Kéfir Koyer. Et le 10 est à gauche. Et il pleut et de plus en plus, hein. Malheureusement, pour tout le monde. Une œuvre qui est très tendue en deuxième ligne, Calvaro Béji. Et les voilà partis pour cette sixième course en dehors. Un bon départ de King Fortis, de Chronos du Goutier. Au centre, il y a également le numéro 4, Kyrio Dereux, avec le 2, Cracter Black, la casaque verte, qui va également bien s'élancer et se rabattre dans le sillage des animateurs. Des animateurs. À l'extérieur, on se rapproche avec le numéro 12, Kéfir Koyer, qui partait en deuxième ligne. Ils sont pratiquement tous au trot pour sortir maintenant de ce premier virage avec toujours King Fortis au commandement sous la pression du numéro 8, Chronos du Goutier. On laisse passer l'orage avec les deux fils de Désir Castellet, Cracter Black et Kyrio Dereux qui vient quatrième. On s'est ravisé avec Pavel Tamsin qui prend le sillage à présent du numéro 7, King Fortis, seul animateur de l'épreuve pour le moment. Oui, beaucoup de rythme. King Fortis à l'avantage, Chronos du Goutier en deuxième position. Cracter Black vient ensuite. On est cinquième seulement avec Kéfir Koyer qui est parti en deuxième ligne et qui va faire la jonction hein, pour revenir sur le numéro 4, Kyrio Dereux qui le précède. Mais il y a encore un petit trou à combler. Et puis derrière, on essaye de suivre le mouvement et l'accélération avec Kublai Khan, le 3 ainsi que le 11, Kenzo Slap qui vient 7-8e. Faute à l'arrière du numéro 9, Calvaro Béji. Toujours en file indienne pour la tête de la course avec le 7, King Fortis pour sortir de ce deuxième virage. Chronos du Goutier dans son sillage, Cracter Black ensuite, Kyrio Dereux. Une autre tête blanche avec le 12, Kéfir Koyer. Et nous avons disqualifié le numéro 9, Calvaro Béji. On passe dans cet ordre devant les tribunes. Il nous reste un tour à effectuer. Regardez, le peloton très, très, très clairsemé. Ce sera dur d'emblée pour quelques concurrents. Kenzo Sass vient de se montrer fautif et vient d'être sanctionné pour ses allures même. C'est le 7 qui a l'avantage de King Fortis, toujours devant le numéro 8, Chronos du Goutier. À l'extérieur, on se rapproche désormais avec le 2 Cracter Black qui est en train de déborder Kyrio Dereux. Et puis le 12, Kéfir Koyer est également dans le coup. L'allure est toujours très régulière sous l'impulsion de ce numéro 7, King Fortis. Il vient te rejoindre par le numéro 2, Cracter Black. Chronos du Goutier attend son heure côté corde. Kéfir Koyer n'a pas fait de bruit depuis le départ et a beaucoup de ressources. S'annonce en troisième passeur. Maintenant, il passe à l'attaque. Et derrière ceci, c'est une autre tête blanche, le 4. Kyrio Dereux. Ouais, il passe à l'attaque assez tôt, hein, Kéfir Koyer. Il va essayer de déborder Cracter Black qui l'emmenait pour l'instant très bien avec le tournant final dans quelques instants. Il répond bien, hein, Cracter Black, avec toujours le numéro 7 qui a l'avantage, King Fortis. Kéfir Koyer qui vire en troisième épaisseur. Cracter Black qui n'a pas dit son dernier mot au centre de la piste. Et puis derrière, on essaye de réagir avec Chronos du Goutier qui a patienté. Faute du numéro 7, King Fortis qui laisse le commandement au numéro 2, Cracter Black, toujours sous la pression. Numéro 12, Kéfir Koyer en troisième position. Chronos du Goutier, quatrième place pour Kyrio Dereux. Le ultime à droite, une lutte à deux avec Cracter Black devant le numéro 8, le numéro 12, pardon, Kéfir Koyer qui prend l'avantage. Kéfir Koyer qui va filer au poteau. Le 12, Chronos du Goutier qui finit fort à l'extérieur. Le 12, Kéfir Koyer qui va s'imposer dans ce tournoi avec le numéro 8 qui finit très fort mais trop tard. 12, 8, 4 et 2, c'est l'arrivée de cette sixième course. C'est bien ça, Xavier, que des chiffres pairs à l'arrivée. Le 12 s'impose Kéfir Koyer qui a été lancé au moment opportun par Christophe Depeut, aidé par la faute de King Fortis dans le dernier virage. Deuxième place pour le bon finisseur Chronos du Goutier. Troisième place pour le numéro 4, Kyrio Dereux. Et quatrième, le numéro 2, Cracter.